Bonjour et bienvenue sur unitprof.fr. Dans ce cours, je vais vous apprendre comment résoudre une équation du second degré dans R à l'aide du programme Fortran. On ouvre le plateau. On commence toujours par écrire programme. Résolution. Le nom du programme. Résolution équation. Un président, déclaration multiple variable, on va travailler seulement par derrière. On déclare A, B, C, on va travailler aussi par X, X1, X2 et delta. Initialisation des variables, on donne la A. Par exemple, 3, B égale à 2, C égale à moins 2, par exemple. L'expression de delta, delta égale B au carré, soit on écrit B étoile étoile 2, ça veut dire B à la puissance 2, ou bien B fois B, tout simplement, moins 4 fois A fois C. On va étudier maintenant tous les cas possibles de delta. Si if le discriminant delta égale à 0, D, on peut écrire égal égal ou bien point égal point 0. Donc si le discriminant delta égale à 0, alors l'équation admet une solution. X égale moins B divisé par 2 fois A. Print équation admet une solution. X. Le rôle de print, il permet d'afficher le message et la valeur de x sur l'écran. Si la première condition n'est pas vraie, on passe à la deuxième condition. If delta strictement positif. D. Ça veut dire si nous discriminons delta est strictement positif, alors l'équation admet deux solutions. X1 égale moins B plus racine de delta, bien square de delta. Divisé par deux fois A. La deuxième solution, x2 égale, on peut faire copier, coller, on change le signe, plus par moins. Voilà les deux solutions. Donc, print équation admis deux solutions. X1 et X2. Si aucune de ces conditions n'est pas vrai, on passe à la dernière possibilité. C'est le cas où delta est inférieur, strictement inférieur à 0. Else, print pas de solution.
dans R. Un div, on ferme la section conditionnelle. Un div. Le programme exécute le bloc d'instruction suivant la première condition logique vraie. Puis il passe directement à un div. Sinon, si aucune condition logique n'est pas vraie, ni la première ni la deuxième, le bloc else va exécuter. And programme, and nom du programme, pour faire copier-coller. Voilà. On compile. On enregistre le message, le programme, son nom par exemple. Enregistré. Il y a une erreur quelque part. Ligne 16. Pardon, il y a une erreur ici. Voilà. Exécute. Voilà, équation admis de solution. La première solution et la deuxième. Si vous voulez à chaque fois entrer la valeur de A et B, on peut créer ici print entrer la valeur de A. On peut faire la même chose pour B et C. On change A par B et C. Read A. Le rôle de read, et il permet de lire les informations saisies depuis un clavier. On peut faire la même chose aussi pour B ici. Voilà, on compile, on exécute. Voilà, entrer la valeur de A, on peut entrer ça par exemple B, 2, C, 3. Voilà, pas de solution. Ça veut dire delta strictement inférieur à 0. On peut changer les valeurs de A et B. On peut entrer n'importe quelle valeur. A moins 5, 3, 4, l'équation admise de 6. Voilà, merci pour votre attention. À très bientôt.